Dans 10 secondes? Benoît, on peut commencer dans 10 secondes. Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir dans cette séance du conseil du 7 octobre, une fois encore chacun chez soi. Moi, je suis à l'hôtel de ville et les autres conseillers sont à la maison en raison des nouvelles mesures qui s'appliquent à nous. Nous sommes dans la zone rouge. Donc, éventuellement, ça a été pour nous un changement dans les activités qui avaient été prévues. Donc, plusieurs activités qui étaient au calendrier ont été annulées jusqu'à nouvel ordre. Pour le questionnement de l'Halloween, si les gens s'interrogent, donc on est dans l'attente d'instructions de la santé publique. Donc, pour l'instant, là, il n'y a pas d'activité prévue. Je vous suggère de surveiller nos plateformes de communication pour voir le suivi, parce que je veux dire, les choses changent presque au quotidien avec ce qui se passe présentement. J'ai une nouvelle à vous annoncer. On avait eu les résultats du budget participatif. Il y a 16 projets qui nous étaient présentés. Et parmi les 16 projets, deux projets répondaient aux critères de sélection pour le budget maximal de 75 000. Donc, on a les deux projets, je ne sais pas s'ils sont à l'écran. Donc, on avait déjà un premier qui avait été proposé, c'était un pôle communautaire de lecture au parc La Plume Magique, et un second qui était un nichoir sur l'ensemble de la ville. Et le projet gagnant est le nichoir sur l'ensemble de la ville, avec un résultat de 191 votes et 97 votes pour le pôle communautaire au parc La Plume Magique. Je vous remercie tous pour votre participation et pour les autres projets qui sont non sélectionnés, ils vont être sûrement envisagés pour des projets futurs. Donc, il y avait des choses intéressantes qui nous étaient proposées. Par contre, ce n'était pas dans le cadre du budget participatif. Par contre, ça peut être en regard de d'autres projets qu'on pourrait faire. Donc, sur ce, je serais prêt à procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose, Diane Morneau. Daniel Saint-Jean va l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord, oui. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Éric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, nous en sommes à la période de questions. Donc, on a reçu plusieurs questions. Principalement, je vais vous dire, c'est des gens de l'île Goyer pour l'ensemble. Et ça concerne l'aménagement du parc, du stationnement du parc à l'île Goyer. Donc, j'ai une première question de Mme Marie-Claude Lapointe. Donc, je vous fais la lecture de sa question. Bon, quelles sont les options envisagées à l'heure actuelle pour permettre le stationnement des remorques à bateaux? Un article du journal de Chambly parlait de terrains dont la ville est propriétaire. Est-ce que vous avez besoin de déboiser pour faire un stationnement remorque? Et est-ce que le centre de l'île Goyer sera touché? Nous avons à cœur la préservation du centre de l'île et nous ne voulons pas qu'un stationnement à bateau remplace un milieu boisé et plein de vie de toutes sortes. Un stationnement à bateau n'a rien à faire dans un milieu dense. Présentement, il n'est pas question de stationnement à bateau. Il est plutôt regardé là, un stationnement pour les usagers du parc. Donc, on a fait une proposition qu'on vous avait soumise dernièrement à l'opinion des gens, qu'on a reçu des commentaires. Et puis, pour l'instant, là, il y a un mandat qui est donné au service technique de nous présenter différentes options pour le stationnement des usagers qui iront au parc. S'il n'est pas question pour le moment de stationnement bateau, et puis il n'y a pas de travaux qui seraient réalisés non plus cet automne, c'est qui est prévu plus pour l'été 2021. Seconde question de Mme Lapointe. Nos enfants se rendent à tous les jours profiter des nouvelles infrastructures de basketball, hockey et modules de jeu au parc Genet. Nous en sommes tous très contents pour s'y rendre. Mes enfants, comme beaucoup d'autres, sur l'île empruntent la rue des Deux-Rivières et la rue des Roses. Nous sommes très inquiets de l'affluence que pourrait apporter une descente à bateau au parc de l'île et du problème de sécurité que cela apporterait sur la route pour se rendre au parc à l'entrée de l'île. En effet, la rue des Deux-Rivières et la rue des Roses sont très étroites. Si des camions avec remorques passent régulièrement, nos enfants ne seront plus en sécurité à se promener en vélo pour se rendre au parc Genet. Avez-vous l'intention d'élargir la rue des Roses et la rue des Deux-Rivières et d'en faire des pistes cyclables? Pour l'instant, il n'y a pas de prévision d'aménagement de trottoirs ou de pistes cyclables sur l'île Goyer. Comme je vous le répète, il n'est pas question pour le moment de faire de descente à bateau. On est juste à la première étape là, d'envisager un stationnement pour les usagers, les gens qui iront pas, comme je vous avais présenté le plan concept. C'est sûr que les gens veulent consulter la suite des choses.
Une autre question de Mme Marie-Claude Lapointe. L'usine d'épuration d'eau de Carignan se trouve à moins de 500 mètres de la nouvelle descente à bateau envisagée. Avez-vous demandé une étude à savoir si un va-et-vient de bateau à cet endroit pourrait nuire à la qualité de l'eau potable des Carignanois? Présentement, je peux répondre qu'une étude qui est en cours avec une étude de cove à bord pour savoir la protection de la source d'eau là, si jamais il y avait une descente à bateau qui serait faite. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien qui est le résultat de cette étude. Quatre. Encore Mme Marie-Claude Lapointe qui nous demande pourquoi ne pas simplement payer une vignette aux citoyens de Carignan pour aller descendre leur bateau tout près Saint-Basile. L'espace gagné sur le terrain pourrait servir à beaucoup plus de gens s'il reste gazonné et que c'est asphalté au bénéfice seulement des propriétaires à bateau. Donc, pour payer une vignette, il n'y avait pas de demande dans ce sens-là. Il est toujours possible de regarder si à Saint-Basile, je sais qu'il y a des gens de Carignan qui m'avaient dit qu'il était difficile pour eux d'obtenir une vignette pour être capable de stationner leur véhicule à Saint-Basile. Ça serait de voir si j'avais des gens qui seraient intéressés à avoir la possibilité de négocier avec Saint-Basile, si les gens, en attendant, voudraient se procurer une vignette. Mais pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a pas dans les projets présents là, une descente à bateau pour l'instant. Encore Mme Lapointe qui nous demande, connaissez-vous d'autres endroits au Québec où une descente à bateau est insérée dans un milieu résidentiel? Chambly a récemment essayé d'en mettre une en face des condos. Ils ont arrêté le projet car cela porterait trop de problèmes. Une descente à bateau doit être placée dans un milieu où il n'y a pas de résidentiel à de proximité. Encore une fois, ça reste avec la même réponse. Il n'y a pas de projet, c'est simplement un plan concept qui était soumis à la population pour obtenir vos commentaires. J'ai une question de M. Patrick Hanché, qui est de l'île Goyer lui aussi, qui demande quels sont les terrains de la ville sur l'île Goyer qui sont convoités pour faire le stationnement à remorque. Pour l'instant, il n'y a aucun stationnement à remorque qui est envisagé, comme je disais un peu plus tôt. Il est peu regardé de faire un stationnement pour les véhicules, les gens qui se rendront au parc. Donc, comme je vous expliquais, il y a quelque chose qui va être proposé à la population. Puis, il n'y a pas de travaux qui seront réalisés avant l'été 2021. Il y a une seconde question de M. Hanché qui se résume comme suit. Il y a quelques années, la Ville a fait faire une étude de caractérisation de l'écosystème et des milieux humides du centre de l'île Goyer. Est-ce que les résultats de cette étude ont été pris en considération dans la proposition de mettre un stationnement à remorque au centre de l'île Goyer? Si oui, comment? Donc, il n'y a pas eu de proposition de mettre un stationnement pour les remorques. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est un stationnement pour les usagers du parc. Troisième question de M. Hanché. Est-ce que l'aménagement d'un stationnement à remorque et ses infrastructures pourraient faciliter le développement immobilier au pourtour de celui-ci? Bien, je vous réponds que ça n'a aucun lien, puis il n'est pas question pour l'instant de faire de stationnement à remorque à bateau. J'ai une autre question de M. William Hanché, toujours de l'île Goyer, qui nous demande existe-t-il d'autres villes où des stationnements à remorque municipales sont acceptés en zone résidentielle? Je vais vous dire, on n'a pas fait d'études là-dessus, puis on n'est pas rendu encore à l'aménagement de stationnement pour remorque à bateau. J'ai une question de M. François Laliberté qui nous pose la question suivante. La Ville a-t-elle tenu compte du quartier résidentiel immédiat du parc et des nuisances sonores potentielles des moteurs de bateau et de la circulation routière accrue lorsqu'elle a décidé de proposer une descente à bateau à moins de 50 mètres de maison? Comme je vais vous le répéter, ça a été un projet qui était soumis à la population. Donc là, présentement, on est en cueillette de commentaires, donc on prend bien note de vos commentaires, mais il n'est pas question pour l'instant d'aménager quoi que ce soit autre qu'un stationnement pour les véhicules des usagers du parc. Seconde question de M. Laliberté. Est-ce que la Ville a demandé une étude d'impact sur les berges pour les descentes à bateaux et au terrain des propriétés avoisinantes? On sait très bien que l'érosion est un dossier très préoccupant pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et que les bateaux sont l'une des causes principales. Trois descentes à bateaux, Carignan, Saint-Basile, Saint-Mathias, en moins de 3 km les unes des autres, auront des dommages considérables. Perte de terrain, perte de valeur foncière, néfaste pour l'environnement, augmentation des sédiments dans l'eau, alors que la station de pompage de l'eau de Carignanois se trouve à proximité. Donc, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, pour l'instant, là, on n'est pas à cette étape-là du projet. François Laliberté, encore une fois, pour une troisième question. Est-ce que la Ville a l'assurance des autorités gouvernementales que la descente au bateau n'aura pas d'impact sur la qualité de l'eau et sur les infrastructures de la station de pompage située sur l'île Goyer? Les citoyens ne sont pas prêts à assumer collectivement une perte de qualité de leur eau
et d'augmenter les coûts de traitement pour le plaisir des plaisanciers. Comme je disais, il y a présentement une étude qui est en cours pour qui concerne la protection des sources d'eau. Et puis, si jamais il y avait une analyse qui serait prise en compte, si jamais il y avait une descente à bateau. Quatrième question de M. Laliberté qui nous demande, est-ce que la Ville est consciente qu'une descente en bateau dans un quartier résidentiel ne plaît pas à personne qui habite le secteur, mais à ceux qui n'habitent pas le dit quartier? Bien, comme je vous ai dit, on est à l'étape préliminaire de prendre des opinions, donc on prend bien note de vos commentaires, M. Laliberté. Ah, une cinquième question de M. Laliberté. En tant que contribuable soucieux des dépenses publiques, la Ville a-t-elle démontré que financièrement, le projet de descente en bateau ou de l'infrastructure entretien est moins dispendieuse qu'une entente avec une ville voisine à long terme? Comme je vous dis, on n'est pas rendu à cette étape-là dans l'étude du projet. On a simplement soumis un plan concept qui fait l'objet justement de commentaires. Donc, continuez à faire vos commentaires, puis sous peu, vous allez recevoir une autre proposition pour le stationnement, comme on l'a dit plus tôt. Madame Legault, de l'Île-Goyer, qui nous demande les questions suivantes. Lors du dernier conseil, M. Marquès avait promis à une citoyenne qu'aucune félicitation ne serait effectuée pour le stationnement sur la rue des Roses avant d'avoir analysé les commentaires des citoyens. J'ai été très surprise de lire le lendemain du conseil, dans le résumé de la séance reçue via l'infolettre de la Ville, que les travaux de stationnement auront lieu cet automne. Allez-vous tenir une promesse, tenir votre promesse au dernier conseil et donc reporter les travaux 2021? Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas de travaux qui vont se faire cet automne. Jusqu'à quelle date les citoyens ont-ils réellement pour faire parvenir leurs commentaires sur le plan concept afin de vous en tenir compte? Donc, vous êtes libre de continuer à envoyer, on les reçoit de façon régulière. Et puis, est-ce qu'un nouveau plan concept tiendra compte des commentaires des citoyens sur le sommet de la population avant que les travaux débutent? Je vous réponds que oui. Donc, surveillez, comme je vous dis, dans les prochaines semaines, on a donné des mandats aux services techniques de voir comment on va aménager le stationnement. Ça va être une fois soumis à la population, pas de travaux avant l'été 2021, je le répète. Madame Legault, pour une deuxième question, où sont situés précisément les numéros de l'eau, les terrains partant de la ville qui sont à l'étude pour le stationnement de remorques à bateaux? Je le répète, il n'y a pas de stationnement qui est à l'étude pour les remorques à bateaux pour l'instant. Troisième question de Mme Legault. Pourquoi la Ville demande-t-elle aux citoyens de se prononcer sur un plan concept inachevé alors que la localisation du stationnement des remorques de bateaux est encore inconnue et risque d'avoir de grands impacts sur leur opinion et la sécurité des citoyens? Serait-ce une façon pour la Ville de faire adopter un projet sous le radar? Je demande à ce que le plan pensé dans son entièreté cette fois-ci soit soumis à nouveaux citoyens pour recueillir leurs commentaires. Donc, comme je dis, la seule chose qui est demandée pour l'instant aux gens, là, c'est l'aménagement du stationnement. Pour les autres étapes, ce sera ultérieurement que ce sera présenté. Madame Legault, pour une quatrième question. Merci d'avoir nettoyé le parc des déchets. Est-ce possible de mettre des blocs de béton avec chaîne pour empêcher toute circulation de voitures, camions, motocross sur le gazon? Nous voyons plusieurs véhicules se promener librement dans ce parc et cela détruit le gazon. Moi, la dernière fois que je suis allé, il y avait des blocs de béton qui étaient présents à l'entrée. Là, donc, je vais voir si c'est toujours le cas. On va faire vérifier. Mais je ne sais pas par où les gens peuvent passer parce que où il y a l'entrée qui est déjà en gravier, il y a des blocs de béton qui sont présents. Donc, il restera à savoir par où les gens passent. Mais il y a des interdictions à quiconque de faire du véhicule à moteur sur la place du parc. D'ailleurs, il y a des indications à cet effet. Ceux qui le font sont passibles d'amende. Puis si vous en voyez, bien, n'hésitez pas à appeler les services policiers. J'ai M. Carl Dubuc qui me demande, qui réside à l'Île-Goyer lui aussi. Je voudrais savoir ce qu'il advient du projet du parc de l'Île-Goyer. Quand pourrons-nous nous débattre sur ce projet? Aucune information n'est présentée sur le site de la Ville et nombreuses questions et interrogations de la part des résidents. Nous avons l'impression que le projet est très avancé et personne ne semble au courant, y compris votre réceptionniste, lorsqu'on demande à avoir l'information. La seule chose présentement là, qui est en cours, là, c'est vraiment de regarder. Il y a un plan concept qui a été présenté, c'était diffusé. Puis ce qui est vraiment regardé pour prochainement, c'est vraiment l'aménagement du stationnement, mais il n'y a pas question de stationnement ni de descente de bateau pour le moment. Donc, continuez à envoyer vos commentaires, ils sont recueillis, puis le moment venu, bien, vous appelez à vous prononcer sur le dossier. Donc, ça résume, c'était l'ensemble des questions que nous avons reçues. Donc, nous en sommes rendus au point 4. J'aurais quelques questions, M. le maire, avant qu'on aille plus loin, si vous le permettez. Oui.
Donc, les citoyens du secteur Carignan-Salière sont mécontents de la gestion des plaintes en matière de circulation. Ils ne se sentent pas écoutés. Considérant les enjeux de sécurité, est-ce que vous comptez fixer un délai pour le traitement des plaintes en matière de circulation? Bien, il y a un processus là, qui est déjà en place. Là. C'est la communication des plaintes là, via le site de la ville à info. Puis le comité de circulation, lui, recueille les plaintes. Puis il y a des réunions. Là, je crois qu'ils vont. La tenue des réunions est tenue il y a 2 semaines. Il est question, je pense, de tenir des réunions mensuelles prochainement. Là. Et puis, lors de ces réunions-là, bien, les sujets sont traités et la réponse est donnée. Donc c'est un processus du comité de circulation là, qui va tenir des séances mensuelles. Donc, la seule chose que les gens doivent bien comprendre, là, c'est de s'adresser aux bons endroits pour dénoncer ces situations-là. Donc, si on va sur le site de la ville, il y a une plateforme, Info Ville de Carignan, vous pouvez envoyer vos commentaires, indiquer l'endroit où il y a une problématique, téléphoner, c'est noté et c'est transféré au comité de circulation qui devrait siéger à tous les mois. Est-ce que les citoyens peuvent s'attendre à avoir un retour, une fois leur plainte déposée, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir un retour du comité de circulation à savoir si des correctifs vont être apportés ou non? Bien là, c'est au service aux citoyens. La réponse va être OK. J'aimerais savoir, quand visez-vous que le rapport d'étude sur la circulation sur des ordis pour lui donner un caractère local soit déposé au conseil? Bien là, parce que c'est quand même un peu ironique, c'est qu'on n'a même pas encore adopté la résolution. Là, oui, donc. Je le sais, mais quand même, la question, je pense qu'elle est tout de même très valable. Là, parce que les gens sont inquiets. On pose la question, c'est un citoyen qui me pose la question. Non, ben, la question, le mandat n'est pas encore donné, donc il faut lui donner le temps qu'il exécute son mandat. Déjà là, vous allez voir, il y a des points qui sont pris là, en décision ce soir au niveau de la vitesse. Donc déjà, la vitesse va être réduite sur le boulevard des Ourdis. Il y a des décisions avant même que l'étude soit rendue. Donc il y a déjà des mesures qui sont prises avant le résultat de l'étude. Et au moment que l'étude sera déposée, ben, on verra quelles sont les mesures qui devront être prises. Dans l'attente des recommandations de cette étude-là, est-ce que vous comptez implanter des mesures temporaires pour sécuriser cette rue-là, comme déplacer les pots de fleurs qui nuisent à la visibilité au niveau de la traverse, là, au niveau là, du passage piétonnier où on a retiré l'arrêt obligatoire? Bien, ça, je vous dis, de toute façon, ça va être retiré d'ici peu. Compte tenu qu'en période hivernale, ces pots sont... Oui, retirés. Je le sais, mais l'an prochain, est-ce qu'on va prendre note de ça pour ne pas répéter... L'an prochain, probablement que le résultat, qu'on aura déjà le résultat de l'analyse, là, et puis on verra ce qui est approprié. Là. Okay. Pendant ce soir, on devrait possiblement, au cours du printemps, avoir des résultats, puis des mesures seront prises au cours de le printemps 2021. D'accord. Ma dernière question, est-ce que vous comptez dévoiler le détail des plaintes de circulation à chaque mois au conseil? Bien là, on a reçu du sac, ben pas du sac, mais les sacs, le sac reçoit sont des plaintes, c'est remis au comité de circulation qui, eux, les gèrent puis qui nous font un rapport. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire d'en faire la publication. Ce qui est fait, c'est que tout est transmis le sac au comité de circulation qui, eux, nous font un rapport au conseil. Là, si je comprends bien, vous voulez qu'on publicise l'ensemble des plaintes sur les plateformes? Qu'est-ce que c'est vraiment d'accord? Que les élus aient au moins accès aux plaintes, qu'ils puissent voir si dans le compte-rendu, s'il y en est question, et s'assurer que des correctifs soient pris de façon à ce que les citoyens soient en confiance qu'on traite efficacement leurs plaintes. On reçoit déjà ces rapports-là. Ah oui, non, Mme Morneau, malheureusement, dans vos comptes-rendus, il n'est pas question de toutes les... Non, du sac pour recevoir la liste des incidents déjà. Oui, ce mois-ci, ça a été le cas, mais les mois précédents, ça ne l'était pas. Alors, la question qui s'adresse à moi, là, comme je vous dis, là, c'est que vous recevez la part du comité de circulation, le rapport. Donc là, vous nous ferez la demande spécifique s'il y a des choses que vous n'avez pas reçues. Bien, moi, j'ai vu qu'on a reçu du comité là, l'ensemble des plaintes, un rapport qui a été préparé par M. Rioux. Et puis moi, je voyais l'entièreté, là, puis avec toutes les demandes que je suivis. Donc... Je comprends bien. Oui, ce mois-ci, on les a reçus, mais c'était exceptionnel parce que j'en avais fait la demande. Je veux juste m'assurer que les prochains mois, on va aussi les avoir.
Parce que je, la rencontre s'est tenue au mois de septembre. Il n'y a pas eu de rencontre là, pendant la pandémie. Là. C'était la première rencontre qui s'est tenue, puis on l'avait déjà souvent. Ce que je vous dis, c'est que pour les prochains mois, il y aura des rencontres mensuelles, puis ça va être soumis au conseil comme ça l'était la dernière fois. D'accord. Merci. Bienvenue. J'aurais des questions, M. Marquez, si vous me permettez. Ah oui, je vous écoute. Ben, dans le fond, loin de moi de vous reprendre, là, mais il est écrit dans le journal que le comité de circulation est aux 3 à 6 mois. Est-ce que, là, vous avez dit lors de votre intervention que c'était au mois. Avez-vous l'intention de mettre au mois ou c'est une erreur de votre part? Non, c'est pas une erreur de ma part. C'est parce que Mme Morneau, il y a eu des discussions avec le comité de circulation, puis qu'eux autres, ils ont convenu, compte tenu de la quantité de plaintes qui avaient été reçues, qui était plus approprié de tenir des séances mensuelles. Parce que ce qui était prévu, parce que quand on a créé le comité de circulation, il y a très peu de comptes qui étaient gérés. On a vu avec les mois, les derniers mois, surtout les derniers mois où il n'y a pas eu de réunion, qu'il y avait beaucoup de plaintes qui s'étaient accumulées. Donc, ce qui avait été convenu par les gens du comité de circulation, c'est de tenir une rencontre mensuelle. Parfait. Merci beaucoup. J'aurais une autre question. Faudrait que j'aille dans le fond l'ordre du jour, là. Mais l'emprunt de 1,9 million pour l'usine d'eau, je comprends que les membranes sont à changer, tout ça, mais pour la pompe, si je ne me trompe pas, on a déjà investi 600 000 pour une pompe. Donc, premièrement, je me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire de le remettre dans le budget? Et deuxièmement, est-ce que l'emprise d'eau va être capable de si c'est une pompe qui est encore plus grosse, est-ce que l'emprise d'eau dans l'île Goyer va être capable d'accueillir ce nouveau débit-là ou cette nouvelle pression-là? Donc, les travaux sont faits d'une part, je comprends qu'on manque d'eau, là, mais il y a de l'eau qui est prévue pour le PPU. Donc, c'est pour dans 10 ans, avant que des nouveaux citoyens puissent commencer à investir dans les emprunts qu'on va faire présentement. Là, je vais laisser à monsieur le directeur général répondre parce qu'il y a beaucoup de techniques que vous posez. Donc, je vais laisser M. Tanguay répondre plus spécifiquement là, sur les aspects que vous soulevez, Mme Poussard. Là. Merci beaucoup. Oui, Mme Poussard, la question concernant l'investissement de 600 000, je n'ai aucune idée à quoi vous faites référence, là, malheureusement. Est-ce que c'est un investissement qui a été fait il y a plus de 3 ans? Là? Ça, je ne suis pas au courant. Oui, c'est un investissement qui a été fait plus de 3 ans. Marquez, c'était comme conseiller, c'était pour une pompe. Donc ça, je pourrais vérifier, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui puisque ça s'est fait antérieurement à ma présence ici à Canada, donc j'ai aucune idée à quoi on fait référence. Pour ce qui est de projet là, de mise aux normes de production d'eau potable, il y a seulement qu'une prise d'eau, mais il y a 2 endroits pour prendre 2 prises d'eau à l'usine d'eau potable. D'ailleurs, il y a deux emplacements pour mettre des pompes là, de prise d'eau. Donc, il ne manque pas d'eau, évidemment. Là, il ne manque pas d'eau dans la rivière Richelieu, là, on s'en doute bien. Là. Non, mais c'est des tuyaux, excusez-moi si je vous... C'est des tuyaux sous le chemin. Est-ce qu'ils sont assez gros pour avoir cette nouvelle pression-là? Oui, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour la distribution à ce niveau-là. De toute façon, il y a une étude là, sur le réseau de distribution au complet qui est en cours là, dans les services techniques pour une prévision à très long terme là, de la ville. Donc, s'il y a des investissements dans le réseau de distribution, ça va faire l'objet d'autres niveaux d'investissement. Ici, il faut bien le rappeler, on est au niveau de la mise aux normes de l'usine. Donc, on vient chercher la capacité maximale de production de l'usine en ajoutant les trains qui n'ont pas été posés à l'origine. Là. Donc, il n'y a pas d'agrandissement d'équipement, il y a simplement des ajouts d'équipement qui n'étaient pas complets là, dans la filière de traitement, si on peut dire. Et quelques éléments de mise aux normes également là, à l'intérieur de l'usine. Là. Quelques ajouts de sécurité là, ici et là. Fait qu'on est vraiment au niveau de la capacité de production et c'est en fonction de la population actuelle. Oui, on va chercher par le fait même également plus de capacité de production. Comme vous l'avez sans doute noté, tous les élus et la population aussi, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et la consommation d'eau des citoyens
ça affecte beaucoup là, cette consommation-là lors des épisodes de sécheresse parce que on a tendance à arroser en très grande abondance là, les gazons par terre, etc. Puis c'est créer là, les problèmes de consommation d'eau potable. Là. Donc oui, on va aller chercher cette capacité-là pour la distribution. Et le dernier point que je voudrais mentionner là-dedans également, c'est que ces travaux-là sont prévus à même la programmation de la TECQ, là, de la taxe d'assises sur l'essence, donc en priorité numéro 1, là, financée par la TECQ. Là. Donc remboursée par les montants d'argent au fur et à mesure que les montants rentrent de Québec et Ottawa. Je vais vous épargner là, la mécanique, elle est différente selon les paliers du gouvernement. Et les sommes qui vont être injectées dans la mise aux normes de l'usine sont en principe, là, ici, ils font partie de la TECQ, là, de la ville. Donc, subventionnées à travers la TECQ de la ville. Parfait, merci beaucoup. Juste une petite chose, là, c'est qu'on entend un bruit de fond. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui faisait du bruit, là, mais on avait un petit bruit là, qu'on entendait. Là. Donc, si jamais vous n'avez pas intervenu, juste fermez vos micros, s'il vous plaît. Ça fait de l'interférence. Donc, nous en étions au point 4.1. D'approuver pour valoir à toute fin que de droit le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2020. Quelqu'un propose? Édith va proposer. Édith. Édith Amorneau va appuyer. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Édith Amorneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Point 5. 5.1. Vente pour taxe 2020. Ordonnance de vente. D'ordonner à la greffière ou en son absence au greffier adjoint de la ville de Carignan, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique le 2 décembre 2020 à 9h et ce, au centre multifonctionnel de la ville de Carignan, situé au 1555 rue de l'École. Les immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurant en annexe 1 de la présente résolution, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes selon les articles 513 et suivants de la loi sur les cités et villes, que le conseil municipal autorise la vente des lots adjugés lors de la vente pour non-paiement de taxes du 2 décembre prochain, que le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Carignan tout acte inhérent à la présente résolution. On propose? Édith Labrosse va proposer. Daniel Saint-Jean va appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Juste une note, la vente est prévue pour le mois de décembre. Certain qu'elle va se faire au centre multifonctionnel en autant que les consignes gouvernementales nous le permettent. Alors, on est dans une interdiction, mais le 10 décembre, il va y avoir des changements. En note que ce ne sera pas nécessairement à l'hôtel de ville, plus au centre multifonctionnel, ça va être annoncé sur nos réseaux. Donc, le point suivant, 5.2. Le mandaté de la notaire Lynn Parche a fait les recherches nécessaires à l'égard des immeubles à être vendus lors de la vente à l'enchère du 2 décembre 2020 et ce, conformément au Code civil du Québec. Quelqu'un propose? Daniel Saint-Jean propose. Édith Labrosse appuie. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 5.3. Vente pour taxe 2020, mandat pour enchérir et acquérir au nom de la ville de Carignan. De nommer le société mandataire de la ville de Carignan en vue d'acquérir pour et au nom de la ville certains immeubles qui ne trouveront pas d'adjudicateur lors de la vente du 2 décembre 2020. Que le mandataire ne sera pas tenu de payer les actions et le montant de l'adjudication. Que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en cas d'acquérir et payer, plus son montant suffisant pour satisfaire à toute séance prioritaire ou hypothécaire d'un rapport antérieur ou ayant la série des taxes. Thierry Morneau propose. Édith Labrosse appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui.
Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6.1. Finances. Déboursé du mois de septembre 2020. D'autoriser le paiement des comptes du mois de septembre 2020 pour un montant de 107 782,42 $. De ratifier les limites durant la période du mois de septembre 2020 présentées sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant d'$1,574,055,30. Quelqu'un propose? Édith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 6.3. Autorisation de transfert budgétaire septembre 2020. D'autoriser le transfert des sommes suivantes afin de couvrir la dépense d'entretien et de réparation anticipée 2020 pour les travaux publics, 4 000 $ et 17 363 $, vers le poste entretien éclairage de rue, vêtements, chaussures et accessoires, entretien de bâtiment, entretien de véhicules, asphalte et resurfaçage. Afin de couvrir une dépense d'entretien de fonds de fontaine, 8 000 $ en provenance du service scientifique et génie, vers le poste entretien, réparation, réseau, eau et aqueduc. Afin de couvrir la dépense d'abattage d'arbres 2020, 34 500 $ des services scientifiques en génie et de l'entretien des réseaux routiers par le poste de service professionnel. Et afin de couvrir dépenses anticipées décoration hivernale 2020, 24 $ en provenance des mutations vers le poste entretien des parcs et espaces verts. Quelqu'un propose? Daniel Saint-Jean propose. Et Étienne Morneau va appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard, en accord. J'ai, Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7.1. Octroi de contrat fourniture de décoration hivernale 2020 à l'intersection de la rue Henriette Albany, Leblanc Illumination, pour 29 087,25. Octroyer le contrat des fournitures de décoration hivernale pour l'année 2020 à l'entreprise Leblanc Illumination Inc. pour un montant de 29 097,25 $, taxes incluses. Thierry Morneau propose. Édith Labrosse appuie. Comme vous voyez à l'écran, vous voyez, c'est juste à côté de la chapelle. On a eu des discussions avec la chapelle. Donc, il est possible pour nous d'installer des décorations. Donc, la troisième année, on a déjà commencé dans le secteur en rentrant dans le secteur Carignan-Salière. L'année dernière, c'était le secteur des Livoulières et cette année, c'est le secteur centre. On venait un petit peu d'été là, dans les secteurs, donc cette année, c'est au secteur centre que ça sera fait. Donc, je comprends que tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7.2. Octroi de contrat, abattage, émondage, étiquetage d'arbres, émondage, 32 480,44. Octroyer le contrat d'abattage, émondage et dessouchage effectué à l'automne 2020 à l'entreprise SMC Émondage Inc. pour un montant de 32 480,44 $, taxes incluses. Proposeur? Daniel Saint-Jean propose. Édith Labrosse appuie. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7.3. Octroi de contrat. Inspection entretien des génératrices pour une période de 3 ans avec option de renouvellement pour 2 années supplémentaires. Système énergétique égale 43 781,33. Un foyer de contrat pour l'entretien et la réparation des génératrices pour une période de 3 ans avec option de renouvellement pour 2 années supplémentaires pour l'entreprise des systèmes électriques GAL, un montant de 43 781,33 $, taxes incluses, que le Conseil se réserve le droit de publier les 2 années de plus. Daniel Saint-Jean va proposer. Édith Labrosse appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui.
Stéphanie Lefebvre, oui. Tiens, Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Ajout supplémentaire au contrat, pose de béton bitumineux et rechargement d'accotement. Il y a quelque chose, il y a un petit bruit là, qui vient régulièrement, je ne sais pas, là, je sais pas, il y a un petit ciment. Il y a un micro de quelqu'un, là, parce que moi, je l'entends ici, là, puis ça nous perce un peu les oreilles. Là, donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous. Là. Donc, il y a un bruit continu. Là, je ne sais pas lequel d'entre vous. Donc, juste peut-être fermer vos micros. Là. Donc, ça cause comme distorsion. Donc, je reprends. Là. 7-4, ajout supplémentaire au contrat de pose béton bitumineux et rechargement d'accotement pour Grande Ligne et Bellevue pour l'année 2020, Pierre Tech Construction, au montant de 35 596 et 26 sous. Augmenter le contrat de pose de béton bitumineux et rechargement d'accotement pour l'année 2020 à l'entreprise Pierre Tech Construction Inc. pour un montant de 35 596 $ et 26 sous taxes incluses. Quelqu'un propose? Édith Labrosse. Édith Labrosse. Daniel Saint-Jean-Puy. Tout le monde est d'accord? Un poussard en accord. Excusez, j'étais sur silence. Édith Labrosse, oui. Sophie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Bon. Donc, on identifie la source. C'est Édith qui fait... Madame Labrosse, c'est votre micro qui fait le bruit. Quand on coupe tout le son, quand vous ouvrez le micro, là, ça, c'est ça qui fait un peu la distorsion. Donc, on identifie c'était quoi la source. Donc, c'était votre micro. 7-5, prolongement, à tout le monde est d'accord, tout le monde me l'a dit. 7-5, prolongement du contrat pour 2 années supplémentaires, entretien, inspection des pompes d'eau usée, Pompex Inc., 18 151,34 par année. Prolonger le contrat d'entretien et inspection des pompes d'eau usée Flight pour 2 années additionnelles, soit 2021 et 2022, à l'entreprise Pompex pour un montant de 18 151,34 taxes incluses par année. Les prix seront ajoutés à la date d'anniversaire du contrat pour la 2e année et les années subséquentes, le cas échéant, à la hausse ou à la baisse selon l'indice de prix à la consommation présenté par Statistique Canada pour la région. Proposeur. Daniel Saint-Jean propose. Je vais appuyer Thierry Morneau. Et tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-6. Autorisation de paiement, acceptation finale sans réserve, réaménagement d'entrée de la Seigneurie des Îles, construction Bugère pour 2 040. Autoriser le paiement au montant de 2 049 $ et 17 sous inclus en guise d'acceptation finale sans réserve pour les travaux d'aménagement paysager de l'entrée de la Seigneurie des Îles à l'entreprise construction Bugère. Inc. Proposeur. Édith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean appuie. Vous êtes d'accord? Un poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Autorisation de paiement, acceptation provisoire, travaux de réfection du chemin Bellerive, construction TECRA, Inc. 9 512 $ et 65. Autoriser le paiement au montant de 19 512 $ et 65 sous taxes incluses en guise d'acceptation provisoire des travaux de réfection du chemin Bellerive et la libération d'une partie de la retenue contractuelle à l'entrepreneur construction TECRA, Inc. Un propose? Je vais proposer. Daniel Saint-Jean propose. Et je vais l'appuyer, Thierry Morneau. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Édith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-8. Autorisation de signature, entente, exécution de travaux, mise en conformité d'une canalisation obstruant le libre écoulement du cours d'eau sans nom numéro 2, rue Liliane S, en régie interne, au montant de 103 477 $ et 50.
D'autoriser que les travaux soient gérés par l'équipe de l'ingénieur d'infrastructure et projet de la ville de Carignan pour un montant de 103 477,50 $ taxes incluses. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Carignan une entente relative à la gestion des travaux de l'aménagement et ou d'entretien prévu dans le cours d'eau sans nom numéro 2 bordant la rue Viviane-Est et traversant une partie du lot numéro 2 597 671. C'est des travaux qui devaient être faits par la MRC. Et finalement, il y a une entente avec la MRC à l'effet que ça va se faire en régie interne par les gens de la municipalité. Donc, j'ai un proposeur. Je le propose, Stéphane Morneau. Edith Labrosse appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Stéphane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, le point 7.9. Donc, c'est suite à la recommandation du comité de circulation, comme je disais plus tôt, là, puis en conformité avec les plans du PPU, la prochaine résolution là, propose de faire l'embauche d'une firme spécialisée là, pour évaluer le travail à faire pour changer la vocation du boulevard des Ourdis à celui d'une rue locale. Donc, pour un montant de 25 000 $. D'autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à mandater une firme spécialisée afin d'évaluer et proposer différents scénarios pour le réaménagement du boulevard des Ourdis pour un montant de 25 000 $ taxes incluses. Je le propose, Stéphane Morneau. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Y a-t-il de la brosse? Oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Stéphane Morneau, oui. Frédéric, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-10. Autorisation de signature, acte de session de la rue Tavenet à la Ville. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer tout et au nom de la Ville de Carignan avec la session des lots 5 392 528 5 832 528 5 830 048 correspondant à la rue Tavenet, un bassin de rétention et une autre parcelle de l'eau longeant la rue Grande Allée et à poser tout geste ou signer tout autre document nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. Quelqu'un propose? Je vais proposer, M. le maire. Daniel Saint-Jean, excusez-moi. Je vais l'appuyer, Thierry Morneau. Et tout le monde est d'accord? En accord, Anne Poussard. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 7-12. Mise à niveau l'usine d'eau. Demande d'autorisation. On a mis le point. Ah, pardon, j'ai passé tout. OK. Autorisation de demande d'entretien cours d'eau numéro 109, numéro 1, secteur Sainte-Thérèse, la MRC de Richelieu. J'ai demandé à la MRC de la Vallée de Richelieu de procéder à la préparation d'un projet d'entretien de cours d'eau 109, numéro 1 pour la section située en aval du canal de Chambly. Que le conseil municipal de la ville de Carignan soit favorable à ce que le bassin versant bénéficiant d'éventuels travaux d'entretien du cours d'eau sans nom numéro 1 soit déterminé mandaté à cette fin auprès de la ville, le tout conformément au règlement numéro 399. Donc, on voit à l'écran, là, c'est dans le secteur Sainte-Thérèse où c'est la ligne bleue, là, mais c'est le cours d'eau qui nécessite un entretien. Donc, un proposeur? Je vais proposer, M. le maire Daniel Saint-Jean. Et je vais l'appuyer, Thierry Morneau. Tout le monde est d'accord? En accord, Anne Poussard. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Là, il y en manque d'autres. Là, j'ai pas eu l'ensemble des conseils là, pour. Là, je suis rendu à Mme Morneau. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez oui. Donc, et après, M. Martineau. Martineau, oui. Monsieur Saint-Jean? Oui. D'accord. Donc, 7-12. Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement mise à niveau de l'usine d'eau de production d'eau potable. La Ville de Carignan mandate Julien Ferronté pour déposer la demande de modification d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement concernant la mise en production d'eau potable et l'augmentation des prélèvements d'eau à la rivière Richelieu. Que le conseil municipal autorise le paiement par chèque d'un montant de 3 999 $ à l'ordre du ministre des Finances et de l'Économie du Québec.
que le projet de mise aux normes n'est pas en zonage agricole au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, que la réalisation du projet ne contrevient aucun règlement municipal, que la ville de Carignan s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement plus tard 60 jours après la fin des travaux une note d'incitation signée par un ingénieur quant à la conformité avec l'autorisation accordée, que le directeur des travaux publics et services techniques soit autorisé à signer tout document relatif à la demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement au nom de la ville de Carignan. Proposant. Edith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean va appuyer. Et on est d'accord? En accord, Anne Poussard. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant Nou, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. C'est une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour faire les travaux de mise aux normes à l'usine d'eau qui est située à l'île Goyer. 7-13, embauche technicien au service génie et infrastructure. D'embaucher M. Moustapha Tadi à titre de technicien au service génie et infrastructure, le tout selon les termes et conditions privés à la convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, c'est sur le 4-35-08. Quelqu'un propose? Je vais proposer. Et j'aimerais appuyer. Tiens, Morneau. Donc, cette embauche, c'est le remplacement d'un employé qui nous a quittés au mois d'août. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Tiens, Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Urbanisme environnement 8.1. Demande de modification réglementaire 2020-027, révision du PA Riviera pour améliorer la gradation de densité et l'intégration visuelle des zones H137, 139 et H140. Approuver la demande de modification réglementaire numéro 2020-027 concernant les lots 6131565, 6348473. Et 6 131 572 pour le plan d'aménagement d'ensemble révisé du projet municipal La Riviera, tel qu'illustré sur le plan d'appui urbanisme français, dossier 809-127. Quelqu'un propose? Edith Labrosse propose. Daniel Saint-Jean va l'appuyer. Vous m'avez d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Pierre Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, juste un petit rappel, le projet Riviera, c'est dans le secteur Carignan sur le golfe. Donc, 10. Loisirs, culture et vie communautaire. Demande d'aide financière, Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly, conférence virtuelle. Accorder à la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly une aide financière au montant de 300 $ dans le cadre de la production de conférences virtuelles. Edith Labrosse propose. Et j'appuie, Étienne Morneau. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Étienne Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 10-2. Demande de participation, comment campagne de financement, fondation de la maison Simone Monet-Chartrand. Au montant de 5 000 $ par année. Accorder à la Fondation de la Maison Simone Monet-Chartrand une aide financière d'un montant de 5 000 $ par année pour une période de 3 ans dans le cadre de leur campagne de financement. Quelqu'un propose? Edith Labrosse propose. Anne Poussard, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 10-3. Autorisation de barrage routier Chevet de Colomb à l'intersection Grande Allée-Bellerive les 24, les 23 et 24 octobre 2020. D'autoriser les chevaliers de Colomb conseil 6148 numéro Léo Foster à procéder à un barrage routier à l'intersection du chemin Bellerive et Grande Allée vendredi le 23 octobre 2020 de 15h à 20h et samedi le 24 octobre 2020 de 8h30 à 17h. Quelqu'un propose? Daniel Saint-Jean va proposer. Edith Labrosse appuie. Je vous rappelle que les chevaliers de Colomb font une collecte à tous les ans, encore une fois cette année, puis c'est dans l'occasion pour ramasser des fonds pour les paniers de Noël. Donc, je vous encourage
à donner généreusement. Donc, marquez ça à votre agenda, là, le 23 en soirée et le samedi 24 de 8h30 à 17h. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Rédite Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant Nau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. 10.4. Appui programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés. Demande collective de la MRC Vallée du Richelieu. Que le conseil de la ville de Carignan s'engage à appuyer le dépôt par la MRC de la Vallée du Richelieu d'une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. Soutien à la réalisation de politiques et plans d'action en faveur des aînés. Volet 1. Que le conseil de la ville de Carignan s'engage à participer à la réalisation d'une politique et d'un plan d'action municipalité Amis des aînés de la MRC de la Vallée du Richelieu afin de partager les enjeux observés qui ont été réalisés régionalement. Et le conseil nomme la conseillère Edith Labrosse comme étant l'élu responsable du dossier aîné. Proposeur? Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Parce que présentement, la Ville, on est en train de compléter une démarche pour la mise à jour de la politique familiale, puis venir nous aussi, la Ville de Carignan, municipalité Amis des aînés. Puis nous, on vient en appui à la MRC aussi qui fait ses propres démarches. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Je m'excuse, Stéphanie Lefebvre, oui. Diamant, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, nous sommes au point 11. Vous allez voir, il y a plusieurs avis de motion. Donc, on commence 11.1, avis de motion, projet de règlement d'emprunt numéro 530-2020, autorisant la mise aux normes des systèmes de télémétrie pour le secteur Carignan sur le golfe, décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas 125 100. J'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je vais vous le donner, monsieur le maire. 11.2. Avis de motion. Pardon? Daniel Saint-Jean, oui, c'est noté, merci. 11.2. Avis de motion, projet de règlement d'emprunt numéro 531-2020, autorisant la mise aux normes des systèmes de télémétrie pour le secteur Sainte-Thérèse, décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas 100 900. Daniel Saint-Jean. 11.3. Avis de motion, projet de règlement numéro 532-2020. Autorisant la mise aux normes des systèmes de télémétrie pour l'usine d'eau principale, décrétant un emprunt long terme n'excédant pas 741 400. Je vais vous le donner, M. le maire Daniel Saint-Jean. 11.4. Projet de règlement numéro 533-2020, autorisant la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable, décrétant un emprunt long terme n'excédant pas 1 928 900. Je vais vous le donner, M. le maire. Merci. 11.5. Avis de motion, projet de règlement numéro 456-2-U, modifiant le règlement de construction 456-U. Frédéric Martineau donne l'avis de motion. 11.6. Projet de règlement 456-2-U, modifiant le règlement de construction 456-U. D'adopter pour valoir appliquer que de droit le projet de règlement numéro 456-2-U modifiant le règlement de construction 456-U. Frédéric Martineau propose. Je vais appuyer, Thierry Morneau. 11.7. Adoption du premier projet de règlement numéro 483-11-U modifiant le règlement de zonage 483-U. D'adopter pour valoir à tout trait que de droit le premier projet de règlement numéro 483-11-U modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Je propose Frédéric Martineau. Daniel Saint-Jean va l'appuyer. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Thierry Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Ce règlement, c'est pour rétablir les zones de la culture et la transformation du cannabis est permis sur le territoire de la ville. 11.8. Avis de motion. Premier projet de règlement 483-12-U modifiant le règlement de zonage 483-U. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire, Frédéric Martineau. 11.9.
Adoption, premier projet de règlement 483-12-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. Adopté pour valoir à toute fin que de droit le premier projet de règlement numéro 483-12-U, modifiant le règlement de zonage 483-U. Je vais vous l'appuyer, M. le maire. Ça n'a pas appuyé. Ça prendrait une proposition. Je vais le proposer, excusez. Et qui vous appuie, M. Saint-Jean, Frédéric Martineau. Et tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Médite Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Arnoux, oui. Frédéric Martineau, oui. Saint-Jean, oui. Ce règlement-là, c'est pour venir finalement en concordance avec les propositions adoptées au point 8 concernant l'interprise de Riviera. On a changé les idées. La section suivante, 11.11, adoption, premier projet de règlement 483-2-8, modifiant le règlement de 484. Non, numéro. Ah, pardon, excusez-moi, qui donne l'avis de motion? Je vais vous le donner, M. le maire Daniel Saint-Jean. Et donc, au point 11.11, adoption du premier projet de règlement. Propose. Je vais proposer. Et j'appuie M. Saint-Jean, Frédéric Martineau. Donc, entre autres, là, il est prévu d'établir les largeurs minimales puis de chausser pour les rues qui sont en sens unique là, pour ce règlement-là. Donc, les points suivants, 11.12 et 11.13, là, ça fait vraiment suite aux recommandations du comité de circulation. Donc, on vient principalement modifier les stationnements et les limites de vitesse à plusieurs endroits sur le territoire. Puis, j'aimerais peut-être laisser la parole à Mme Morneau, expliquer un petit peu là, comment ça s'est fait, tout ça. Peut-être juste expliquer, Mme Morneau, comment vous êtes arrivée à proposer au conseil là, ces modifications-là à la réglementation. Là. OK. Bien, c'est lors de la rencontre du 23 septembre. Où on a révisé des COP. Évidemment, avec la COVID, il y a eu une accumulation qui s'est faite de situations à regarder. Ça a été une rencontre très, très longue. C'est donc à ce moment-là qu'on a fait le tour des appels, des nouveaux appels, puis des nouvelles mises à jour sur les appels existants. Et ça nous a permis de voir qu'on avait des besoins d'aller faire des ajustements au niveau des permissions de stationnement sur le bord de certaines rues, aussi des changements de vitesse, des limites de vitesse. Alors, on a toute une série, on ne va pas les énumérer ce soir, vu que c'est un avis de motion, il peut y avoir encore des changements d'ici la prochaine séance. Mais techniquement, on fait ce soir l'avis de motion. Le conseil regarde ça et devrait l'adopter le mois prochain. Bon, merci pour les explications. Donc, 11-12, avis de motion, projet de règlement 508-2020-2, remplaçant le règlement 508-2020-1 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville. Qui donne j'aimerais le donner. D'accord, c'est noté. 11-13, avis de motion, projet de règlement 512-2021, décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la ville. Même chose ici, j'aimerais le donner. 11-14, adoption, règlement numéro 482-2020, modifiant le plan d'urbanisme numéro 482 afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme PPU du secteur central et le prolongement de la rue Albany au chemin Bellevue. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 482-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 482-U afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme PPU du secteur central et le prolongement de la rue Albany au chemin Bellevue. Quelqu'un propose? Je vais le proposer, Frédéric Martineau. Médite Labrosse va appuyer. Vous êtes d'accord? Je demanderai le vote, M. Marquez. Donc, allons-y. Dans un milieu humide. Je vais demander le vote. Donc, quartier numéro 1. En désaccord, non. Le 2. Oui. Stéphanie Lefebvre, district 3, contre. Madame Diane Morneau, pour.
Frédéric Martineau pour. Daniel Saint-Jean pour. Et adopté la majorité. 1115. Adoption règlement numéro 487-2020 modifiant et refondant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle numéro 487-U et ses amendements fait intégrer certaines orientations du contrat du PTU. Adopté pour valoir le droit le règlement numéro 487-2020 modifiant et refondant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 487-U et ses amendements afin d'intégrer certaines orientations d'aménagement du PTU. D'accord, propos. Je vais le proposer, M. le maire, Daniel Saint-Jean. Frédéric, pour l'appui. Donc, vous êtes d'accord? On sort en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamandou, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Adopté à l'unanimité. 11-16. Adoption règlement numéro 488-2020, modifiant le règlement numéro 488-U sur les plans d'aménagement d'ensemble, PAE, afin d'intégrer les orientations d'aménagement du PPU. Adopté pour valoir à toute fin que le droit le règlement numéro 488-2020, modifiant le règlement numéro 488-U sur les plans d'aménagement d'ensemble, afin d'intégrer les orientations d'aménagement du PPU. Proposeur? Oui. Frédéric Martineau le propose, M. le maire. Oui. J'appuie. J'appuie, dit Amorneau. On est d'accord? Je demanderai le vote, M. le maire. Donc, Mme Poussard. Non, en désaccord. Mme Labrosse. Pour. Stéphanie Lefebvre, district 3, contre. Dit Amorneau, pour. Frédéric Martineau en accord. Daniel Saint-Jean en accord. Adopté à la majorité. 11-17. Adoption règlement numéro 526-2020 modifiant le règlement de tournage numéro 482-U et d'assurer la concordance et du secteur central. Adopté pour valoir à tout fin que de droit le règlement numéro 526-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 483-1 afin d'assurer la concordance du programme particulier d'urbanisme secteur central. Je propose. Je vais vous le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, dit Morneau. Vous êtes d'accord? Je demanderai le vote, M. le maire. Mme Poussard. En désaccord. Edith Labrosse pour. Stéphanie Lefebvre pour. Diamandou pour. Frédéric Martineau en accord. Daniel Saint-Jean en accord. Adopté à la majorité. 13. Demande d'intervention de médiateur règlement numéro 483-9U cannabis. D'accepter la nomination de M. Bruno Bergeron, urbaniste et médiateur accrédité à titre de médiateur dans le cadre de la demande d'intervention de médiateur effectuée en vertu de l'article 79.3 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 483-9-U concernant la production de la culture et la transformation du cannabis et opposant la ville des Cassiens à la compagnie 114-153-76 Canada Inc. De désigner Maître F. Greffier, Mme Andréane Vacco, directrice du service d'urbanisme et Maître Martine Durel à titre de représentante pour la ville de Carignan dans le cadre de cette médiation. D'autoriser le maire ou en son absence, la mairie suppléante et la greffière ou en son absence, les greffiers adjoints à signer pour et non de la ville de Carignan le protocole d'entente en vue de tenir un processus de médiation en vertu des dispositions des articles 79.3 et suivant de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. D'assumer le paiement de 50% des honoraires et coûts du médiateur. Quelqu'un propose? Edith Labrosse propose. Quelqu'un appuie? Daniel Saint-Jean appuie. On est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diamandou, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, 13-12. Octroi de contrat, acquisition d'affichage de vitesse et panneaux de traverse piétonnière au DEL sur la rue d'école, initiation Qualitech.
Recroyer le contrat pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse et panneaux de traverse piétonne hier au DEL sur la rue de l'école à l'entreprise Réalisation Qualité pour un montant de 35 194,22 $ taxes incluses. Petite correction, ce n'est pas juste pour la rue de l'école, c'est cinq afficheurs de vitesse pour utilisation à travers la ville. Parfait, Mme Morneau, je vais le noter au procès-verbal. Mais c'est les panneaux de vitesse de traverse qui s'appliquent à la rue de l'école. Okay. Les afficheurs sont à grandeur. Parfait, merci pour la précision. Et j'aimerais proposer. Édith Labrosse s'appuie. Bon, ça fait suite encore là, des discussions qui sont tenues au moment du comité de circulation. Donc, les recommandations sont à l'effet d'acheter d'autres équipements là, pour sécuriser nos rues. Donc, tout le monde est d'accord? Anne Poussard en accord. Edith Labrosse, oui. Stéphanie Lefebvre, oui. Diane Morneau, oui. Frédéric Martineau, oui. Daniel Saint-Jean, oui. Donc, je voudrais juste dire un mot. On a beau mettre de la signalisation, des traverses de piétons. Là, on dénonce encore qu'il y a encore beaucoup de gens qui se circulent vite. Ce serait important de vous sensibiliser, tous et chacun, là, parce que pour la plupart, vous êtes les gens du secteur qui roulent vite. Là. Donc, on a beau mettre des dos d'armes, des constats d'infraction. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de structures policières à venir. Là. Mais soyez conscients là, que c'est votre propre réseau. Donc, il y a des mesures qui vont être prises. Parce qu'on n'est pas les seuls acariens à vivre ça, mais on constate, entre autres, boulevard des Ourdis, ce n'est pas des gens d'ailleurs là, qui circulent vite sur ces rues-là, c'est des gens de la place. Là. Contrairement à Grande-Allée ou Belle-Rive, il y a des gens de d'autres villes, mais quand on est sur des rues comme la rue Gertrude-Henriette ou la rue des Ourdis, c'est des gens du secteur. Donc, je demanderais aux gens d'être sensibles à ça, tout comme les gens qui circulent sur l'île Goyer, parce qu'il arrivait un événement cet automne, un enfant a été renversé par un véhicule, il n'y a pas eu trop de dommages, là, pas trop de blessures non plus, mais juste sensibiliser les gens là, à être conscients de la sécurité sur nos routes. Donc, d'ailleurs, que les heures vont changer bientôt. En fin de semaine, on change l'heure. Donc, à partir de 4h30, là, on ne voit presque plus rien sur la route. Donc, ralentissez dans les zones scolaires. Sachez que les enfants sont sur la route en direction de la maison. Donc, je vous invite à la prudence. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents et on se revoit le mois prochain. Est-ce qu'on peut lever la tête? Oui, parce que c'était mon petit mot. Donc, pour un proposeur pour la levée de la séance? Daniel Saint-Jean propose, monsieur le maire. Et j'appuie la levée de la séance. Donc, je crois que tout le monde est d'accord. Donc, sur ce, bonne soirée et à la prochaine. Merci. Bonne fin de soirée.